Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde, ça porte sur la notion de fonction, et plus particulièrement ici, il va falloir calculer l'image d'un nombre par une fonction, mais aussi l'antécédent d'un nombre par cette même fonction. Dans cet exercice, on va considérer donc une fonction f définie sur R par f de x est égal à 3x moins 4. Donc il s'agit ici donc d'une fonction affine, et pour cette fonction, il va falloir donc calculer tout simplement les images de moins 2, ou encore un tiers, ou encore 9 septièmes, par cette fonction f. Ensuite, deuxièmement, il faudra calculer les antécédents des nombres 1, moins 6 et moins 11 tiers, par cette même fonction f. Rien de très compliqué donc dans cet exercice, je vous laisse appuyer sur pause, faire les calculs donc qui sont nécessaires pour répondre à ces deux consignes, et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction donc de cet exercice. Donc dans un premier temps, il faut calculer des images. Alors ça c'est assez simple, il suffit tout simplement de remplacer x par la valeur, ici par exemple moins 2 pour commencer, dans l'expression de f de x. Ou encore l'image du nombre moins 2, que je note donc f de moins 2, je vais l'obtenir tout simplement en faisant 3 multiplié donc par moins 2 moins 4. Donc ici le calcul est très simple, puisqu'en fait ici je vais commencer par la multiplication, et que cette multiplication va donner donc moins 6, moins 6, moins 4, moins 10, c'est terminé, moins 2, a pour image moins 10, par la fonction f. Passons maintenant au calcul de l'image de 1 tiers. Là encore, donc on remplace x par 1 tiers, ça devient donc 3 multiplié par 1 tiers, moins le nombre 4. Et ici, il faut bien remarquer que 3 multiplié par 1 tiers, c'est tout simplement le produit de 3 par son inverse. Et donc, par définition, tout simplement, ici, ça donne 1. Ça donne certes 3 tiers, mais ayez le réflexe donc d'écrire 1. 1 moins 4, et bien c'est terminé, ça va donner donc moins 3. Le nombre 1 tiers a pour image moins 3 par la fonction f. Et enfin, on va terminer donc par le calcul du nombre 9 septièmes par cette fonction f. On remplace donc x par 9 septièmes, donc on obtient 3 multiplié par 9 septièmes moins 4. La seule difficulté de ce calcul ici, c'est tout simplement le fait qu'on va devoir travailler en écriture fractionnaire. En effet ici, 3 multiplié par 9 septièmes, ça donne 27 septièmes. Car, je le rappelle, ici sous le 3, il y a un 1. Le dénominateur ici, ça peut être 1 pour la fraction 3 sur 1. Et donc attention, pas d'erreur, ça donne bien 27 septième, et d'ailleurs il va falloir enlever 4, et le nombre 4, je vais forcer de l'écrire avec un dénominateur 7. Et donc ici, dénominateur 7, donc je vous rappelle que sous le 4, je peux écrire qu'il y a un 1, et donc j'obtiens 28 septièmes, puisque je vais multiplier par 7 en bas et en haut. Et donc ainsi, on obtient 27 septièmes moins 28 septièmes, qui donne donc moins 1 septième. Donc, l'image du nombre 9 septièmes par la fonction f est le nombre moins 1 septième. C'est donc terminé pour le calcul des images. Passons maintenant au calcul des antécédents. Et ici, donc, il faut bien comprendre, en fait, qu'on cherche un nombre x qui aurait pour image, donc, le nombre 1. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, parce que tout simplement ici, on est sur quelque chose qui est un peu plus compliqué que la première consigne. En effet, pour trouver le nombre x tel que f de x est égal à 1, le nombre x tel que son image soit égale à 1 par la fonction f, eh bien, il y a plusieurs méthodes. On pourrait penser à une méthode par essai, mais bien sûr ici ça risque de prendre du temps. Et la bonne méthode, c'est plutôt de remplacer f de x par son expression qui est 3x moins 4. Et du coup, le problème devient beaucoup plus simple, puisqu'en fait on tombe sur une équation toute simple d'inconnu x qu'il va falloir maintenant résoudre. Et donc dans un premier temps, je vais isoler 3x en ajoutant 4 des deux côtés. Si j'ajoute 4 des deux côtés, là, je vais obtenir 3x égale 5. Et ensuite, ben, je vais m'arranger pour avoir x tout seul. Autrement dit, je vais diviser par 3 des deux côtés. Et en divisant par 3 des deux côtés, je vais obtenir donc 5 tiers. Alors, vous voyez bien qu'ici, en fait, la méthode par essai, elle n'aura pas été fructueuse, parce que pour tomber sur 5 tiers, pour penser à utiliser 5 tiers, eh ben, on aura peut-être pris un peu de temps, alors que la résolution d'équation permet de trouver donc le nombre x qui fait que l'image par la fonction f, eh bien, le nombre 1. Car en plus, ici, on montre qu'il n'y a qu'un seul antécédent pour le nombre 1. Car il existe des fonctions pour lesquelles il peut y avoir plusieurs antécédents pour un nombre donné. Donc ici, 5 tiers est le seul antécédent du nombre 1 par la fonction f. On va reprendre donc ce même raisonnement pour déterminer donc un antécédent du nombre moins 6.
On cherche donc un nombre x tel que f de x soit égal à moins 6. Ou encore, tout simplement, un nombre x qui vérifie que 3x moins 4 soit égal à moins 6. Vous voyez qu'on retombe encore sur une équation d'inconnu x qu'on va résoudre. Là encore, en ajoutant 4 de chaque côté. Et on obtient cette fois-ci, du coup, 3x est égal à moins 6 plus 4. Alors attention, pas d'erreur, ça fait donc 3x est égal à moins 2. Et une nouvelle fois ici, je vais diviser par 3 à gauche et à droite pour obtenir tout simplement que x est égal à moins 2 tiers. Donc j'ai trouvé l'antécédent du nombre moins 6 par la fonction f, il n'y en a qu'un, et c'est le nombre moins 2 tiers. Et on va terminer donc cet exercice avec le calcul de l'antécédent du nombre moins 11 tiers par cette même fonction f. De la même façon, on va donc pouvoir écrire qu'on cherche un nombre x tel que f de x soit égal à moins 11 tiers. Ou encore, en remplaçant donc f de x par son expression qui est 3x moins 4, on obtient donc que 3x moins 4 doit être égal à moins 11 tiers. Donc vous voyez, on retrouve le même problème que dans les calculs précédents, c'est-à-dire qu'il va falloir résoudre une équation. La différence ici, c'est tout simplement qu'on a un nombre en écriture fractionnaire. Mais pas de panique, on va tout simplement dans un premier temps isoler les x en faisant donc 3x égale moins 11 tiers plus 4, car une nouvelle fois, j'ai ajouté 4 à gauche et à droite. Donc ici, il va falloir forcément faire le calcul, donc moins 11 tiers plus 4, et pour cela, on va tout mettre sous la forme de fraction avec un dénominateur ici 3, et donc 4 devient 12 tiers. Donc on a 3x qui est égal à moins 11 tiers plus 12 tiers, et donc 3x est égal à 1 tiers. Donc on en arrive là, et puis là, parfois on peut être embêté. Embêté parce qu'en fait ici, il va falloir réécrire une égalité dans laquelle il y aurait x à gauche. Mais le problème, c'est qu'il va falloir diviser par 3, mais pas de panique, il suffit simplement de prendre 1 tiers et le diviser par 3, sauf que diviser par 3 revient à multiplier par son inverse, qui est 1 tiers. Et donc on peut conclure tout simplement ici que x est égal à 1 neuvième. Alors on vient de trouver donc l'antécédent du nombre moins 11 tiers par la fonction f, et ce nombre, c'est tout simplement le nombre 1 neuvième. C'est donc terminé pour ce petit exercice. Donc dans un premier temps, on a calculé des images. Vous avez vu que par une fonction affine, c'est très simple de calculer des images. On remplace x par la bonne valeur, et c'est quasiment terminé. Ensuite, on a calculé des antécédents, et on a vu en fait qu'à chaque fois, on devait passer par la résolution d'une équation. Il faut savoir donc que calculer un antécédent d'un nombre par une fonction, c'est souvent un travail un peu plus compliqué et qu'il faut donc avoir de la méthode, et notamment savoir résoudre une équation pour arriver à déterminer ce nombre.